Gloire à Dieu. Et voilà, un, deux, ça fonctionne. Voilà. C'est correct, là? Ouh, ouais, ça fonctionne trop fort. T'es mieux de blesser, sinon les gens vont avoir des problèmes d'oreille avant la fin de la soirée. Il y a deux genres de personnes qui ont des problèmes avec moi quand je prêche, le gars de son et le gars de la vidéo. Hier, ils m'ont dit que probablement que la vidéo, tu vas voir ma grosse face apparaître pour ceux qui vont prendre de vidéo, des fois comme ça. Ah, puis des fois, ils vont me voir disparaître pour à peu près 20 minutes. Ils vont juste avoir le son. Fait que c'est correct. Mes excuses à ceux qui sont sur la vidéo. Je vais essayer de rester ici, OK? Je vais faire tous mes efforts. J'étais béni par le témoignage qu'on a entendu tantôt de notre sœur. Son témoignage, c'est le témoignage des vies. Les gens sont sauvés, les gens sont libérés, les gens sont guéris par ce Jésus qu'on connaît. Et on n'est pas ici par hasard, on est ici parce qu'un jour Jésus a touché nos vies. On est ici parce que Jésus va toucher ou est en train de toucher nos vies. Mais Jésus, c'est le point, le centre, le focus de la raison pour laquelle on est ici ce soir. Vous et moi, on est ici assemblés à cause de son œuvre. Et moi, je peux vous dire d'ores et déjà que sans lui, je ne serais pas avec vous autres. Ah, ça c'est sûr. Il y a des Anglais ici, ça, vous les Anglais, je les haïssais pour les planter. Puis les Anglais m'haïssaient pour me planter. Fait que c'était réciproque, on avait un amour réciproque, un amour de loin. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on réalise à quel point la raison pour laquelle on est ici ce soir, c'est Christ? Et comme Denis l'a mentionné, depuis maintenant 2010, je suis au 15 Cunac. Depuis que j'ai commencé comme surintendant, les deux premières années. Ben, dans le fond, la première année, on est venu en visite, j'ai prêché. La deuxième année, mon épouse déjà était responsable de la cuisine. Elle a fait sa place assez rapidement. Puis je ne sais pas ce qui est arrivé, mais elle est là depuis. Moi, j'ai dit à mon épouse de la cuisine, j'ai dit, ils peuvent t'éclairer, hein? Je n'ai aucun problème avec ça, hein? Ils pourraient te plaire. Ensuite, il y a eu des réactions dans la cuisine quand j'ai dit ça. Mais la chose qui me bénit ce soir, franchement, on a entendu un témoignage percutant tantôt. Le témoignage qu'on a entendu, c'est parce que déjà dès le sein de la mère, un enfant a besoin de sentir qu'il appartient, qu'il y a une relation d'appartenance, un sens d'appartenance. Et quand ce sens d'appartenance-là est brisé pour différentes raisons, parce qu'on vit dans un monde imparfait, puis on vit avec des gens qui ont des problèmes, puis des gens qui sont malades, je ne parle pas physiquement, mais émotionnellement, affectivement, ce que ça fait, c'est que ça crée des carences dans nos vies. Et si on demanderait à des gens ici qui ont eu des carences par rapport à leur passé, il y aurait plein de gens qui se lèveraient. J'ai donné un témoignage à mon épouse hier. Elle avait un père et une mère, mais ces gens-là n'avaient pas appris à la valoriser, n'avaient pas appris à l'encourager, n'avaient pas appris à lui faire connaître sa place dans ce monde. C'est triste, mais c'est la réalité. Mais ce qui est beau, c'est qu'on est ici à cause de Jésus, mais non seulement on est ici à cause de Jésus, mais on est ici aussi parce que Jésus, à travers nos vies, crée des relations. Et moi, ce qui me bénit avec le 15 Cunac depuis 2010, c'est les relations qui ont été créées depuis 2010. Il y a des gens, je vous regarde, là, puis quand je m'en viens au camp, puis des semaines avant, maintenant, moi, Sylvie, mes deux enfants, on parle du camp, puis avec les enfants, sûrement vous dire déjà en janvier, février, « Hey, père, on s'en va au camp cette année! Hey, père, on s'en va au camp cette année! » Puis parce qu'ils connaissent des petits amis, puis etc., les relations se créent, se tissent et se bâtissent. Et c'est la même chose pour moi, c'est la même chose pour nous. Depuis 2010, j'ai appelé à connaître certaines personnes. Monsieur Robert et Mme Agathe. Non, mais c'est vrai! Avant même de venir, on pense en famille. Monsieur Robert et Mme Agathe. Et c'est juste des bonnes pensées qu'on a. On a hâte de les voir. Je pense à des gens, je regarde juste dans la salle ici, des gens, par exemple, qui sont ici au camp, à Trois-Rivières, Victoriaville, Shawinigan qui sont cachés derrière là. Non, mais c'est des relations qui ont commencé dans un contexte où il y avait un changement pastoral à Shawinigan en 2009. 9-10. Et puis là, on a hâte de se voir au camp. On pense à Gaspé avec ces deux jeunes tourtereaux-là ici, Pointe-Saint-Pierre. On a appris à les connaître où ici?
Et d'année en année, on se rappelle, et d'année en année, on le rentre. Et je pense comme chrétien, ça, c'est le beau message que nous avons. Là, j'ai oublié Claire, là, j'aurais pu penser à Claire, en fait, elle mange à soir. Mais... Claire, c'est un jeune bonhomme-là, là, où on s'est rencontré pour la première fois en 92 ou 91, j'oublie exactement, en Haïti, dans un contexte d'un voyage missionnaire. Deux fois même, deux années back-à-back, il arrachait des dents, mon ami. C'était impressionnant de voir ça aller, les dents. Il a même arraché, à un moment donné, la dent d'une personne qui était dans l'équipe parce qu'elle avait un problème de dents. J'ai dit, wow, hey, ça c'est efficace quand tu as un dentiste avec toi et son équipe. Non, mais pensez-y, là. Je peux vous regarder chacun d'entre vous, puis on a, à cause du cas ici, on a quelque chose à se rappeler ensemble. Et c'est ça, Dieu. Dieu, c'est pas juste ma relation avec mon Dieu, puis je suis tout seul avec Dieu. Dieu, c'est ma relation avec mon Dieu et ma relation avec les uns et les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Lorsque tout à coup, au niveau du cœur, t'as cette révélation-là de qui tu es comme personne, tu es capable d'aimer les autres comme qui ils sont. Et ces occasions-là sont des occasions bénies. Puis c'est des occasions, ma sœur, comme tu as partagé, parce que oui, il y a la réalité de Dieu qui vient faire une œuvre dans nos vies. Il y a la réalité de l'amour de Dieu au travers des autres croyants qui nous entourent. Puis là, il y a la réalité de ta vie avec l'amour de Dieu qui est dans ton cœur, qui se répand au travers de toi, avec les filles qui sont autour. Ah, ça, c'est la bonne nouvelle. Ah, moi, je ne m'attendrai pas de ça, là. Ah, j'en veux encore plus, Seigneur. Aide-nous à bâtir des relations. Aide-nous à avoir des temps où on peut approfondir des relations les uns avec les autres. Donc, ah oui, c'est vrai, j'ai une manette. Hein? Donc, ce soir, on va continuer la thématique qu'on a commencée hier. Je remercie le pasteur Kevin ce matin. Honnêtement, pasteur Kevin, on ne s'est pas vraiment parlé par rapport à cette fin de semaine, mais quand j'étais en train de me préparer, je me posais plein de questions. Je me disais, est-ce que je vais dans la définition du cœur? Puis j'ai dit, oh non, je pense que Kevin va faire ça. Il me semble que je voulais que Kevin fasse ça. Puis un matin, quand il était là, je dis, oh merci Seigneur, c'est tellement bon. Je suis tellement content. Kevin est un bon enseignant. Je veux dire, je ne suis pas vraiment un bon enseignant. Combien il y en a qui ont déjà pris des cours au collège public avec moi? Un, deux, trois. Pauvre vous autres! je ne sais pas pourquoi, il semble que quand tu es pasteur, tu es aussi un enseignant. C'est certain que je suis un enseignant, mais je vais vous dire, je ne suis pas un enseignant traditionnel. Les étudiants du collège public, il y en a une couple de leaders qui sont au bord, là, qui ont suivi des cours avec moi. Et moi, Michel, aussitôt qu'il ouvre la Bible, il y a quelque chose qui prend la place. Il y a de l'électricité dans l'air! Aussitôt qu'il ouvre la Bible, il y a de l'électricité dans l'air. Et vous savez c'est quoi la passion, n'est-ce pas? Et on dirait que quand j'ouvre la parole de Dieu, ça me rappelle la raison pourquoi je fais ce que je fais. Chaque fois que j'ai l'opportunité de regarder sa parole, je me dis, Seigneur, si ce n'était pas de toi, rien de ça arriverait aujourd'hui. Alors, Seigneur, tout ce que je veux faire, c'est donner toute ma vie. Pas juste une partie, mais toute ma vie. Je veux te servir pour le reste de ma vie. Parce que tu es tellement bon. Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est... Ça se peut, parce que moi, je suis toujours le problème. Tu sais pas? On va le savoir. Tu t'en touches pas! Tu le sens-tu? Hello? Un, deux, ça fonctionne très bien. Là? OK. C'est sa batterie qui, tu penses, qui... Non? Je connais rien là-dedans. C'est comme quand Pasteur Paul, tantôt, parlait de peindre. Moi, j'aurais traduit « peinturer ». C'est ça, veux-tu faire de la peinture? C'est à peu près le seul genre de peinture que je peux faire, moi. Mais je suis inscrit au cours. Vous allez me voir demain faire la peinture. C'est dur à croire, mais vous allez me voir faire. Elle m'a garanti. C'est pour ça que j'ai pris. Non, c'est parce que j'avais promis à ma fille que j'irais faire un cours de peinture il y a un an et demi, à peu près deux ans. J'ai jamais fait.
Et là, on a eu l'opportunité, j'ai dit à ma fille, finalement, on va aller dans cette direction-là ensemble. Et voilà. Tu peux enlever ça, je tire ça ici. Je sors ça de là. Moi, dans le fond, j'ai même pas besoin de micro. Ah oui, c'est vrai. J'ai tout compris. Je suis là, mais je comprends. Un, deux. Oh oui, ça marche vraiment mieux. Voilà! Ça fonctionne bien. Et parce que Anne-Marie m'a promis que j'étais pour être capable de faire la peinture, j'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir. Moi, je vais mettre mon tableau à l'encan, Paul. Et si quelqu'un donne 5$ pour ça, vous êtes vraiment un artiste parce que vous allez être capable de voir des choses que personne ne peut voir. Et c'est ça qui me fascine avec l'art. J'étais béni ce matin, mon frère, où est-ce qu'il est mon frère? Mon frère, ce matin, est venu et il a dit, « Oh, moi, je vois ça. » Puis j'étais là, je dis, « Wow! » Il peut voir ça là-dedans. Une chance qu'il me l'interprète. Sinon, moi, c'est comme, « Wow! » Ah, mais c'est quoi? Mais je sais pas, ça a l'air de l'eau. C'est comme les chutes Montmorency, j'étais en bas il y a quelques semaines, puis c'était exactement comme ça. Enlève le rouge, là, puis c'est exactement ça. Combien d'années qui vont s'inscrire? Non, c'est correct. Amen. C'est bon d'être ensemble ce soir, et j'aimerais continuer la série sur un cœur entier, un cœur ferme, et basé sur le psaume. J'espère que ça va fonctionner maintenant. Psaume 112, mais oui, Michel, t'es bien libéré, toi. Ouais! Non, faut que je le pointe là. OK, bravo. Là, il faut que tu j'ouvre quelque chose. Quoi? Ah, il y a un interrupteur là-dessus? Ah, ben oui! Ah, regarde, ouais! Ah, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. C'est pour ça. Ah, hey, ça fonctionne! Le psaume que nous avons choisi, que nous avons, je dis nous, je sais pas là, le psaume qu'on nous a imposé. Les vraies affaires vont sortir ce soir. J'aimerais vous dire aussi que je ne savais pas que j'étais invité ici. Ils ont eu un comité un jour et mon assistant est venu à ce comité-là. Et il a suggéré mon nom. Et tout à coup, on a eu une rencontre de pasteurs en mars. Et pasteur Denis est en train d'annoncer à tout le monde, les invités qui étaient pour avoir cette année au 15 cumulac. Je suis en train de prendre des notes. Et tout à coup, il dit, et on a un excellent invité. Vous savez comment ce qu'il est là? Il en mettait un père. Là, j'étais là, je dis, wow, j'ai hâte d'entendre ce gars-là. Puis vous le savez, on l'a déjà eu. Là, je fais, qui est-ce qu'on peut déjà avoir eu? Mais il dit, pasteur Michel! Là, je fais, ah, puis le Paul me regarde, dit, j'ai oublié de te dire. On appelle ça l'amitié. Et ça, c'est vrai, là. On appelle ça l'amitié. Il m'a fait le coup encore au ministère des hommes cet automne. Je suis dans un staff avec au district, avec tout le staff du district, puis on discute, puis on regarde le hype, etc., etc. Puis Paul dit, oui, c'est vrai, en passant, il va y avoir des hommes à l'église de la salle. Et oui, c'est vrai, Michel, j'ai oublié de te dire, t'es un des invités! J'aime ça quand tu arranges mon oreille comme ça. C'est ça l'amitié. L'amitié, c'est de s'aimer véritablement les uns les autres. Et ce qui me touche en venant au camp ici, d'année en année, c'est les relations qui se créent. Et j'espère que vous ressentez les mêmes choses, envers les uns puis envers les autres. Et ma prière, c'est qu'on puisse grandir dans cette opportunité-là, d'apprendre à se connaître de plus en plus. Seigneur, merci pour cette occasion ce soir. À cause de ton nom, nous sommes ici. À cause de ton nom, nous allons recevoir ce soir. À cause de toi, nous allons recevoir parce que tu renouvelles tes bontés en ce moment, en cet instant, pour ton honneur et pour ta gloire. Merci que ta parole est esprit et vie et qu'elle va être esprit et vie dans nos cœurs maintenant. Amen. Alors, le psaume 112, versets 7 et 8, « Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel, son cœur est affermi, il n'a point de crainte,
Et le thème de notre fin de semaine, c'est un cœur ferme et confiant. Le chrétien qui garde un cœur affermi, c'est une nécessité. On l'a entendu ce matin avec le pasteur Kevin. C'est vraiment pas une option. Et j'ai aimé ce matin cette dimension ou ce rapprochement avec le cœur tortueux et aussi ce rapprochement avec le fait que vous et moi, comme êtres humains, le sillon qui avait déjà été tracé dans nos vies est encore là. Et rapidement, on peut, même si on connaît le Seigneur Jésus-Christ, retourner dans nos sillons. N'est-ce pas le témoignage qu'on a entendu ce soir? Le Seigneur fait une œuvre dans une vie, mais alors qu'il fait l'œuvre dans la vie, tout à coup, il arrive des événements, puis sans trop le réaliser, notre cœur nous envoie à nouveau sur les vieux sentiers qu'on connaissait. Et c'est pour ça que le salut, c'est glorieux, c'est merveilleux. Mais avec le salut vient ce que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence. Où tout à coup, l'intelligence est renouvelée. On commence à croire ce que Dieu déclare à notre sujet, ce que Dieu dit à propos de nous, le plan qu'il a. Et là, on le croit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ce qu'on reçoit de la parole de Christ. Et vous et moi, on a besoin de plonger nos regards dans cette parole-là. C'est pas une option. Mais vous et moi, on le sait, là. Moi, ça va faire 30 ans, dans quelques semaines, que j'ai reçu le Seigneur. Et dans 30 ans, s'il y a un endroit où il y a des attaques, c'est dans la parole, c'est face à la parole de Dieu. S'il y a un endroit où l'ennemi veut m'éloigner, c'est de la parole. Pourquoi? Parce que si je suis éloigné de la parole, rapidement, je peux retourner dans mes sentiers tortueux. J'ai besoin de revenir à la parole, parce que la parole m'enseigne, m'instruit à propos de la vérité. Et j'ai besoin de rester connecté avec cette vérité-là. Donc, ce soir, je vais parler d'un chrétien qui garde son cœur. Qui garde son cœur. Moi, j'ai été élevé spirituellement avec un pasteur qui m'a enseigné ça. On dirait que c'était son pattern. Il disait tout le temps, dans toutes sortes de circonstances, quand ça allait bien, quand ça allait mal. Michel, garde ton cœur. Il y en a qui connaissaient le pasteur Gary Connors. Gary, j'ai grandi avec. Puis Gary, c'était comme ça. Une situation arrivait, puis gardons nos cœurs. Veillons sur notre cœur. Gardons nos cœurs. Hey, my, hey, on va-tu faire d'autres choses que garder notre cœur dans la vie? Wow, wow, hein, on va faire d'autres choses. Mais j'ai tellement apprécié d'entendre un homme d'expérience me rappeler régulièrement, Michel, veille sur ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris ça par lui-même, mais il a appris ça dans les Écritures, il a appris ça parce que c'est une vérité fondamentale dans les Écritures. On doit veiller sur notre cœur. Alors, ce soir, j'aimerais partager avec vous le Proverbe, chapitre 4, verset 23 jusqu'au verset 27. Ce passage-là est vraiment un beau passage. Et juste pour vous mettre dans le contexte, c'est un passage qu'un homme sage a écrit. Salomon a écrit ce passage-là. Et c'est un homme très sage, Salomon. Je vous dirais, faites pas tout ce qu'il a fait, mais faites ce qu'il dit. OK? Salomon a dit des choses qui étaient ses valeurs que lui-même n'a pas mis en pratique ce qu'il a dit. Toujours. Mais il a déclaré des choses qui sont « Wow! » On voit que c'est un homme qui était connecté avec son Dieu. Dieu lui parlait, Dieu se révélait à lui. Et vous savez quoi? C'est une chose d'entendre Dieu, c'est une autre chose de marcher selon ce qu'on entend de Dieu. Parce qu'on a toujours, comme on a entendu ce matin, ce combat avec notre cœur, qui cherche à nous éloigner des choses de Dieu. Et cet homme-là, rempli de sagesse, commence le chapitre 4 en disant que lui-même a été un fils et qu'il a appris de son père. Et il encourage les gens de son époque, il encourage les chrétiens d'aujourd'hui en disant, comme des fils, écoutez, comme des fils, recevez instruction, comme des fils et comme des filles, ne vous lassez pas de recevoir l'instruction de la parole de Dieu. Ne vous lassez pas. Soyez toujours remplis de joie, de passion, à l'écoute et à l'obéissance de la parole de Dieu. Comme des fils. Et voici ce qu'il va dire à propos du cœur. Et le verset 23 dit ceci, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Pourquoi devrions-nous garder notre cœur? C'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'on devrait garder notre cœur? Ce matin, on a eu la réponse à cela. On doit garder notre cœur parce que c'est facile pour nous de retourner dans nos vieux sillons. Vous et moi, on a des témoignages différents. Moi, j'ai fait bien des choses dans ma vie avant d'être au Seigneur.
Et j'ai ouvert, souvent je vais dire, j'ai ouvert plein de portes dans ma vie. Mais il y a des portes que j'ai décidé de ne pas ouvrir. Par exemple, je n'ai jamais ouvert la porte de la drogue, même si moi, j'étais le chauffeur, le conducteur pour des pocheurs de drogue à mon époque. Moi, j'avais un char, les autres étaient toujours gelés. Fait que je les amenais où ils voulaient aller pour vendre leur drogue. Mais moi, j'ai jamais touché à la drogue parce que, à mon époque, j'aimais les gens qui prenaient de la drogue parce qu'ils étaient cool, ces gars-là. Mais j'étais un sportif, j'étais un malade du sport. Mais les gars qui faisaient du sport, c'était des gars qui... C'était des pèteux de brou un peu. Tu sais, les gars qui faisaient du sport, je prenais pour d'autres. Tu sais ce que je veux dire, là? J'étais pas toujours bien avec eux autres. J'aimais faire du sport avec eux autres parce qu'ils étaient très compétitifs, mais j'aimais pas me tenir avec eux. Parce que quand tu tenais avec eux autres, c'était toujours là. Alors, j'aimais pas ça. Donc, j'avais comme. J'avais un drôle de vie parce que mes chums, mes vrais chums, c'était des gars qui consommaient. Mais l'autre était sur le party, puis il y avait du fun, puis ils voyaient toutes sortes d'affaires dans le monde spirituel, puis moi, je voyais rien, puis je croyais pas à ça. Puis des fois, j'allais les chercher parce qu'ils étaient trop gelés, ou je les dépannais parce qu'ils étaient trop. Avec des problèmes de drogue, fait que là, je les aidais, des fois au niveau financier ou autre. C'était mes chums. Mais savez-vous que même si j'ai eu deux grands amis qui vendaient de la drogue, j'ai jamais consommé de la drogue alors que c'était partout dans mon véhicule, j'aurais pu prendre n'importe quoi qu'ils m'offraient. J'ai jamais goûté, jamais touché. Pourquoi? Je sais pas, mon père, c'est un sportif, puis quand j'étais jeune, il m'avait dit que la drogue, ça faisait. Si t'étais pour prendre la drogue tôt ou tard, t'étais pour être moins performant dans tes sports. Puis moi, j'étais un gars, je voulais gagner tout le temps. Fait que si tu me dis qu'éventuellement, je vais être moins performant dans ce que je fais, tu peux être sûr que je vais m'éloigner de ça. C'est drôle, hein? C'est une parole d'un homme un jour qui m'a dit, Michel, tu ne devrais pas toucher à la drogue. Mon père, je vais toucher à la drogue. Mais touche pas à ça. Parce que ça va affecter les capacités que tu as. Hey, je côtoyais des gars qui en prenaient chaque jour, mais j'ai jamais ouvert cette porte-là. Pourtant, je les ai vus. Je vais dire, ce que j'ai vu n'était pas toujours très, très édifiant. J'ai vu des fois, parmi mes chums, la blonde de mon ami, même, faire ce qu'ils appellent eux autres un bad trip. J'ai vu des gens dans des contextes. Puis là, je regardais ça, je me disais, puis ils trouvent ça le fun. Non, mais je les dépense, je les aide, puis ils sont mal pris, puis ils trouvent ça le fun. J'étais comme. Mais j'ai jamais ouvert cette porte-là. Savez-vous quoi? Parce que j'ai pas ouvert cette porte-là. Mon cœur n'ira pas vers ces choses-là. Et moi, j'ai ouvert plein d'autres portes dans ma vie. D'autres portes que j'ai ouvertes. Et comme chrétien, je dois réaliser que même si je suis sauvé, et même si Jésus m'a délivré, et même s'il m'a guéri et restauré, je dois réaliser que ces sillons-là ont déjà été tracés dans ma vie. Et je dois aussi non seulement vivre dans la délivrance constamment, mais je dois vivre avec la sagesse de la discipline. De ne pas enligner mes pieds vers ces anciens sentiers-là. Donc, rapidement, quand je suis arrivé à l'Évangile, j'ai mis mes pieds en ligne avec ce que Dieu avait pour moi. Rapidement, j'ai mis mes pieds en ligne avec ça. Ça m'a évité plein de problèmes. Rapidement, on dirait que j'ai compris que c'est important de garder mon cœur, le nouveau cœur que j'avais. Le cœur né de nouveau. Le cœur né de nouveau avait besoin d'être protégé. Et voici ce que l'homme sage déclare, et Jésus va même utiliser ça dans Marc un peu plus tard dans le Nouveau Testament. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Y a-t-il des choses qui vous passionnent dans la vie, dans ce monde ici? Y a-t-il des choses que vous aimez? Y a-t-il des choses que vous aimez faire? Y a-t-il des choses que vous aimez accomplir? Mais c'est normal. Ça peut être les sports. On a eu le. Comment ça s'appelait? Le mondial. Comment ça s'appelait l'affaire de soccer qu'on a eu? La FIFA. FIFA. C'est quoi, là? Il n'y a pas de joueur de foot ici, là? Mondial. C'est ça, mondial, ça s'appelle? OK, sorry. Je ne suis pas encore un amateur, hein? Donc, mais il y a eu ça, là, l'affaire de FIFA, il n'y a pas longtemps. Et je regardais les gens à Montréal, dans des bistrots, dans des endroits pour regarder ça. C'était. Puis j'étais à New York, dans la ville de New York, dans un restaurant italien. Kevin, je ne sais pas s'il était avec nous, mais j'étais avec David Hazard dans un restaurant. Je pense que Kevin était avec nous. Dans un restaurant italien à New York. T'étais-tu là, Kevin? Anyway. Dans un restaurant italien à New York, on était dans le quartier de la petite Italie. Et puis il y a un match de soccer du FIFA mondial, quelque chose. Hein? Et la Coupe du monde, c'est ça que je cherchais. Merci, Val. Ouais. C'est correct que tu aies donné mon nom, Flynn. OK, ça a été long, mais je ne suis pas le seul pas amateur. Mais de voir
devant les gens, il y avait deux restaurants avec deux télés différentes qui avaient un délai à peu près d'une seconde et demie, deux secondes dans chacune des télés. Donc, tu avais un restaurant qui criait ouah! Ouh, puis il criait que des malades, nous on savait que l'Italie avait marqué. Puis là, tu avais l'autre restaurant après ça qui réagissait, qui faisait ouah! Je me suis dit, waouh, ils sont vraiment comme ouh! Hey, je pensais que nous autres, avec le Canadien de Montréal, on était fous, là, mais eux autres avaient, ils sont passionnés! Il y en a qui sont passionnés pour les sports, il y en a qui sont passionnés pour la danse, il y en a qui sont passionnés pour les arts, il y en a qui sont... Je n'ai pas compris ce correct. Il y en a qui sont passionnés pour différentes choses. OK? Mais la Bible ici nous dit qu'il y a quelque chose sur lequel on doit être vraiment, vraiment, vraiment passionné, vous et moi, et ce n'est pas une option. Et la chose sur laquelle on doit être passionné... Avec toutes les passions qu'on peut avoir. Moi, je suis un gars passionné dans la vie. Les gens qui me connaissent pas, je vais aller voir mon épouse, elle va vous dire, Michel, c'est un gars entier. Il fait jamais rien entier. Je suis né comme ça. Mais la Bible me dit, toutes les passions que tu as, Michel, c'est correct, là. Mais il y a quelque chose qui doit être au-dessus de toutes ces passions-là. Et la chose qui doit être au-dessus de toutes les passions que tu as, c'est de préserver, de garder ton cœur plus que toutes les autres choses qui te passionnent. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Alors, j'aimerais vous dire, ce soir, on a du travail à faire, vous et moi, au niveau de enligner ces paroles-là avec notre vie. Pourquoi devrait-on garder notre cœur? Salomon est très concerné par ce trésor-là qui est le cœur. Évidemment, il ne parle pas du muscle ici. On a eu la définition ce matin. Il parle du centre de l'homme, du centre de la femme. Ce qui est vraiment à l'intérieur de lui. Et on a appris bon ou mauvais. Et quand on est né de nouveau, il y a ce cœur-là, né de nouveau, qui est bon, qui est connecté avec Dieu et qui grandit dans les choses de Dieu. Le mot-là, c'est intéressant parce que ça dit « garde ». Garde. Et le mot garde, c'est, en hébreu, c'est natsar. Ça veut dire conserve-le, préserve-le, protège-le, veille sur lui, surveille-le, prends la garde des dangers qui pourraient venir contre lui. Garde-le avec fidélité, avec persévérance. C'est ça que le mot veut dire. Et wow, c'est intense hein, comme mot. Garde précieusement ce trésor qui est ton cœur qui est né de nouveau. Garde-le précieusement. Dans l'Ancien Testament, ce mot-là est utilisé aussi pour dire « garder diligemment contre les dangers de l'ennemi. » Avec une discipline constante, veille sur lui. Moi, quand je pense à ce mot-là, je me dis, moi qui est un gars passionné de nature, je me dis, est-ce que j'ai autant de passion pour préserver, pour garder ce cœur-là? Est-ce que, parce que, vous savez, le plus grand défi que vous et moi nous avons dans cette vie, c'est de commencer à prendre certaines choses pour acquises. Donc, on peut prendre pour acquises la nouvelle naissance. Ah, je suis né de nouveau en 1984, en 1945, en 1993. Et on prend pour acquis certaines choses dans nos vies. Et puis quand on commence à prendre pour acquis certaines choses dans nos vies, on devient moins... On est en train de moins veiller sur ces choses-là. On peut même prendre pour acquis les relations que nous avons. On peut prendre pour acquis le fait d'être ici en fin de semaine. Ah oui, c'est juste le 15 Cunac. C'est pas le 15 Cunac. Tes frères, tes sœurs, rachetés par le sang de Jésus, qu'il aime passionnément, il a donné sa vie pour eux. C'est ça les gens avec qui tu es en fin de semaine. Ouh! Ah, mais ton épouse ou ton époux, mais c'est pas juste ton époux et ton épouse. C'est pas celle qui fait le ménage ou celui qui fait la commande ou celui qui fait les rénovations. Parce que je viens de finir les rénaux. Celui qui fait les rénovations, ça a juste pris 2 ans et demi. Celui qui fait les rénovations, c'est pas juste... Ah oui, c'est mon mari, c'est mon épouse. Le plus triste dans les relations conjugales, c'est quand on prend l'autre pour acquis.
Quand on commence à prendre l'autre pour acquis, on ne veille plus sur la relation. On prend plus soin autant de notre relation. Les autres passions prennent le dessus. Imaginez par rapport au cœur. C'est la même chose. C'est tellement facile de prendre tellement de choses pour acquises et pas veiller sur mon cœur. Je me souviens d'une chose quand j'avais 11 ans et demi. Moi, je suis né d'une famille où mes parents sont divorcés, j'avais 4 ans et demi. Ma mère s'est remariée par la suite. Et quand j'ai eu 11 ans, 10 ans et demi à peu près, ma mère est tombée enceinte d'un autre mariage avec un autre homme. Et je n'avais pas l'occasion de voir souvent ma mère parce que l'autre homme avec qui elle était, lui, creusait des pipelines à travers le Canada. Fait qu'il était partout à travers le Canada. Donc, je pouvais l'avoir 2-3 fois par année. C'est mon père qui a pris la garde des enfants. Étonnamment, dans les années 60, c'était pas courant qu'un homme garde ses enfants. Mais à l'époque, le juge avait décidé ça avec un petit sourire en coin. Ah! Monsieur va avoir la garde de ses enfants. Et mon père était un excellent père, malgré qu'il ne connaissait pas le Seigneur, mais à part de la violence, non, pas de violence envers ses enfants, c'est un père tellement aimant qui a manifesté de l'amour, mais qu'un père tough, qui venait des milieux tough, qui venait des quartiers tough de Saint-Henri à Montréal. C'est un homme tough. Mais autant tough il pouvait être, dans certaines situations, autant passionné et rempli d'amour il était pour ses enfants. C'est incroyable. J'ai appris, c'est bizarre, c'est un homme qui m'a appris c'était quoi d'aimer. C'est drôle parce que d'habitude, c'est les femmes qui apprennent aux enfants comment aimer. Et ma mère, plusieurs années après ce divorce-là, s'est remariée. Ensuite, elle a eu un autre enfant. Puis quand elle a eu l'autre enfant, j'ai eu le privilège, je pense que c'est 6-8 mois après qu'elle a eu l'enfant, parce que comme je dis, on ne se voyait pas souvent, quelques fois par année. J'ai eu le privilège de voir ma sœur pour la première fois. On est deux enfants du premier mariage, et là, ma mère avait un autre enfant dans un second mariage. Et là, j'ai eu le privilège de voir ma sœur, et j'avais 11 ans et demi à peine. Je me souviens comme si c'était hier. Pourquoi? Parce que j'arrive, et évidemment, les visites ne se faisaient pas à la maison. Là. Mon père, avec le tempérament qu'il avait, ma mère ne serait jamais venue à la maison. Certainement pas avec son nouveau mari, parce que je pense qu'il allait passer à travers la porte. Mais finalement, on se rencontrait chez une de mes tantes, puis ma tante, elle, c'était... Tu sais, les petites nerveuses. En connaissez-vous des tantes, les petites nerveuses? Ma tante, c'est une petite nerveuse. Elle n'avait pas d'enfant, puis une petite nerveuse, là. Tu sais, ça bougeait. T'sais. Et quand elle arrivait de la visite, je disais, hé, mais c'est comme elle voulait que tout soit parfait, tout le monde. Puis elle était nerveuse. Puis là, je vais toujours me souvenir, je suis dans la cuisine. Et alors que je suis dans la cuisine, ma mère me présente ma petite sœur pour la première fois. Elle s'appelle Lynn. Puis elle me dit, puis là, j'ai 11 ans et demi, j'étais petit boy, là. Elle me dit, tu veux-tu la prendre, mais c'est la première fois que je prends un bébé dans ma vie. Fait que c'est comme, je sais qu'il faut que tu fasses attention, mais tu sais, je sais pas trop comment, puis je dis, ben non. Elle dit, oui, prends-la, tu sais, comme les mamans. Oui, prends-la, c'est ta petite soeur, là. OK. Puis là, je regarde ce petit bébé-là, tu sais, à peu près 6 mois, puis là, je la prends. Puis... Mais ma tante qui est paquet de mère, juste derrière moi, il y a une chaise. Et alors que ma mère me parle, puis moi je parle à ma mère, puis je regarde le petit bébé, puis là, elle me met dans les bras, puis là, je sais pas trop quoi faire avec, tu sais, couchi, je suis tout comme pogné avec, je décide de m'asseoir. Mais ma tante qui est paquet de nerfs, elle, en un coup de vent, elle a pris la chaise, puis elle l'a donnée à quelqu'un d'autre. Ben, c'est comme un coup de vent froid, tu l'as pas entendu, elle est passée, elle est partie, whoop, il n'y a plus de chaise. Et derrière la chaise, il y avait la cuisinière. Et je suis juste dans le coin, vous savez, des choses qui... Les portes qui roulent, là, les petits coins pointus. Et moi, je viens pour m'asseoir comme ça, et je pars par en arrière, mon ami. Et le dos sur le coin, puis là, le dos tout ouvert, à terre. Là, tout le monde est sans panique. Le bébé! C'est normal. C'est normal. Le petit bébé de 6 mois. Tu penses pas au petit gars d'11 ans et demi, là. Tu penses au bébé de 6 mois. Mais le petit gars d'11 ans et demi... savait que le bébé était précieux. Puis le petit gars d'11 ans et demi, même s'il avait tout le dos ouvert et qu'il saignait partout, il n'a jamais lâché le petit bébé. Pourquoi? Parce qu'il savait que ça peut faire mal, mais lui, ça va faire encore plus mal, donc il faut juste le protéger et le garder. Est-ce que vous me suivez? Personne ne m'avait enseigné ça, personne ne m'avait montré ça. Mais je savais que ce que je tenais dans mes mains, c'était quelque chose d'une grande valeur. Puis je devais le garder et le protéger. Mon beau-père, que je ne connaissais pas beaucoup à l'époque, à lui, il n'en venait pas.
J'en reviens pas que. Puis je me souviens encore de ses paroles, j'en reviens pas qu'un petit gars d'11 ans a été capable de prendre soin d'un bébé comme ça. Alors, puis là, j'avais le dos ouvert, là, je saignais. J'en reviens pas comment un petit gars d'11 ans n'a pas pensé à ouvrir les bras. Il n'en venait juste pas. Puis cette histoire-là me rappelle à quel point que quand on considère que quelque chose a de la valeur, on va tout faire nos efforts pour le garder et le protéger. Ma question ce soir, c'est est-ce qu'on croit que notre cœur a de la valeur? Si oui, Salomon nous dit, garde-le, protège-le, veille sur lui. Sois attentif à toute forme d'ennemi qui pourrait venir contre lui. Ça, c'est ce que notre ami Salomon nous dit dans la parole. Gardez diligemment notre cœur. Pourquoi? Parce que de lui viennent les sources de la vie. Non, on parle du cœur né de nouveau, on parle du cœur qui est connecté avec le cœur de Dieu, on parle de la réalité, de cet amour-là qui envahit notre cœur et qui nous fait grandir à la ressemblance de Jésus-Christ dans nos vies. C'est ça qu'on parle ce soir. Mais ce cœur-là doit être cultivé, doit continuer de croître et de grandir, de s'élargir pour que Dieu puisse prendre toute sa place. Les sources de la vie jaillissent de lui. Il n'y a rien de pire quand tu penses que les sources sont polluées. J'ai été en Israël l'année passée, j'ai été deux fois en Israël, une fois avec les surintendants. Ah non, une fois avec Craig et Laurie comme surintendants, puis une autre fois avec Philippe Chassé, on a organisé un voyage en Israël. Et ce qui me fascinait avec notre guide, c'est que quand tu es en Israël, tu réalises à quel point tu n'es pas au Québec. Non, non, mais sérieusement. Là. Alors, quand je suis en Israël, à un moment donné, on était à un endroit, puis c'était comme une pièce de théâtre. Mais c'était pas une pièce de théâtre, mais c'était pour. C'était pour nous ramener dans le temps. Fait qu'il y avait une tente, beaucoup plus petite que celle-ci, une tente, puis quand tu rentrais là, c'était quelqu'un qui simulait avec Abraham, Sarah, puis là, tu rentrais là, puis c'est comme s'il t'accueillait comme à l'époque. Puis maintenant, le gars, il commence à faire son speech, puis il prenait ça au sérieux, là, tu sais, Abraham, tout habillé, puis avec ses chèvres, ses chameaux, tout ce que tu veux. Puis là, il nous parlait de comment ça se passait, puis les rituels à l'époque, puis comment ils vivaient de façon spéciale dans le désert. Puis là, tout à coup, il nous dit, regardez! Regardez à l'extérieur! Puis là, on regarde à l'extérieur. Puis il dit, regardez! C'est ça que Dieu nous a donné! Là, je fais comme... Wow! Je ne suis pas un artiste, hein, fait que... Je me retourne de côté de ma femme, je fais comme... Puis il est excité avec ça. Du sable, de la roche, puis du sable. Puis, non, non, mais il est excité. Puis le gars, il était vraiment excité. Là, je fais comme. Imagine s'il viendrait au Québec. Des lacs, des arbres, des arbres, des lacs, des lacs, des arbres, des arbres, des lacs, des lacs, des arbres, des arbres. On peut faire une chanson, on ne finira jamais. Tu sais, je veux dire. Puis c'est vert partout, là. Mais ils cherchent une place où il y a un désert au Québec, à part que tu sois des pites de sable, là, mais en dehors de ça, là, c'est comme, c'est vert, c'est du lac, c'est vert, c'est... Vous n'êtes pas sûr d'aller voir autour, là? Et il dit, hey, ça, c'est l'abondance, mon ami! Puis là, il a commencé à nous expliquer comment, en Israël, ce qui est important, c'est l'eau. Puis quand, tout à coup, on creusait des puits... Les puits étaient essentiels à la vie. Parce que les gens voyageaient dans le désert à certaines distances. Puis la pire chose que tu pouvais faire dans le désert, c'était de fermer un puits. Ou encore d'empoisonner un puits. Ou encore de fermer le puits. Pourquoi? Parce que des gens pouvaient venir pendant des journées puis s'attendaient que la prochaine provision d'eau était pour être à un endroit donné. Donc, si tu condamnais un puits, ou tu fermais un puits, ou tu empoisonnais un puits, c'est la pire chose. Ça voulait dire que des gens étaient pour mourir. Parce que c'était le next step pour boire. Est-ce que vous me suivez? Là, j'ai réalisé à quel point, wow, c'est un autre contexte, Israël. Hein? C'est différent. C'est un endroit complètement différent. Mais lui, il était tout excité de voir comment Dieu l'avait béni, puis comment Dieu avait amené le peuple là. Puis là, j'ai compris par la suite. Moi, j'étais dans une saison où ça ne paraissait pas encore. Mais quand ta pluie, tout à coup, la pluie tombait sur cette saison-là, puis là, il nous a montré des photos. La pluie tombait
De ce désert-là qu'on voyait, il y avait des champs de, je sais pas quelle sorte de fleurs roses, mauves, là, à perte de vue. Puis là, j'étais comme, à Sylvie, ouais, c'est vrai que c'est beau, hein, disait-elle. D'un endroit où ça ne devrait pas pousser, ça pousse parce que Dieu envoie la pluie du ciel pour le faire pousser. Oh, c'est merveilleux. Mais il n'y a rien de pire que de penser à prendre une source d'eau vive, une source qui donne de l'eau à boire, qui donne la vie, puis qui l'a polluée. On a fait ça avec le Saint-Laurent, n'est-ce pas? Moi, je vis à côté du Saint-Laurent, j'ai toujours vécu à côté du Saint-Laurent, j'ai vécu à la Chine, puis je vis à la Salle maintenant. Je suis à côté du Saint-Laurent. Le Saint-Laurent fait partie de ma vie, moi. Je veux dire, j'ai grandi, j'étais à pêche dans le Saint-Laurent. Le lac Saint-Louis, Saint-Laurent, c'est ma vie. J'ai toujours été connecté avec le Saint-Laurent. Je me souviens quand j'étais jeune, on se baignait dans le Saint-Laurent. Je veux dire, on ne se posait même pas la question. Tout à coup, on a commencé à avoir des maladies parce qu'on se baignait dans le Saint-Laurent. Tout à coup, ils nous ont dit, bien là, on ne peut plus se baigner dans le Saint-Laurent. Ça fait juste quelques années qu'on a commencé à dépolluer cette merveilleuse rivière qui est le fleuve, qui est le Saint-Laurent. Maintenant, on peut se baigner à nouveau dans la région de Montréal. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens insensés qui ont commencé à prendre pour acquis ce fleuve-là, puis acheter toutes sortes de choses contaminées à l'intérieur de ces eaux-là. Qu'est-ce qui arrive si on fait la même chose avec notre cœur? Si on laisse des choses venir contaminer notre cœur, on va-tu juste prendre pour acquis? Comme Samson, « Ah, il n'y a pas de problème, je vais m'en sortir encore à nouveau. Il n'y a pas de problème, c'est pas grave si je ne veille pas sur mon cœur. C'est pas grave si je ne garde pas mon cœur, parce que tout comme Samson, non, ma force, je vais revenir encore à nouveau. Je vais y arriver encore à nouveau. » N'est-ce pas ce que Samson pensait lui-même? « Ah, il n'y a pas de problème, je vais être capable, je vais m'en sortir. Un petit peu à gauche, un petit peu à droite. » Seigneur, c'est... Seigneur, je te prie, donne-nous cette sagesse de veiller sur ce qui est précieux, notre cœur. Avançons ensemble. Comment pouvons-nous garder notre cœur? J'aime Salomon parce qu'il nous donne la façon de comment garder notre cœur. Veillez à dire des paroles de vie, des paroles de vérité. Verset 24 dit, écarte de ta bouche, j'aime ça, écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Est-ce que vous aimez ça? Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Et les mots, là, c'est intéressant parce que le mot fausseté parle ici de déformation, ce qui est tortueux, ce qu'on a appris ce matin. Le cœur est tortueux, parce que toute autre chose, hein, le cœur est mauvais. Mais éloigne de ta bouche la fausseté. Il faut que ça commence avec nous. Il faut que nous-mêmes, on puisse être sérieux avec notre cœur pour dire non. Je ne dirai plus ces choses à mon sujet à nouveau. Je ne déclarerai plus ces choses me concernant à nouveau. J'ai appris ça dans le monde dans lequel j'ai grandi. On m'a enseigné ça. On m'a peut-être drillé ça. Mais maintenant, je veux laisser la parole sortir de ma bouche à mon propre sujet. Hello? Je ne dirai pas des faussetés à mon égard. Oh, c'est une discipline, ça. Ah, je ne suis pas bon. Je ne suis pas capable. Je n'y arriverai pas. Je suis pourri. Qui suis-je? Je suis le plus petit. Ma famille est la plus petite en Israël. Puis je suis le plus petit dans ma famille. Oh Seigneur, je ne peux pas conduire ton... Parce que je bégaye. Non, mais je veux dire, on peut regarder partout dans les Écritures, puis on voit des hommes, on voit des gens qui sont en train de dire à Dieu, pourquoi? Parce que toute leur vie, on nous a dit quelque chose, puis Dieu déclare, voici ce que moi je vois dans ta vie. Et là, il regarde le petit chétif qui a peur, qui se cache quand les ennemis viennent, puis il dit, c'est toi que j'appelle vaillant héros. Quoi? Il est où? Non, c'est toi, vaillant héros. Regardez l'histoire des hommes, regardez l'histoire des prophètes. Qui suis-je pour annoncer la parole de Dieu? Moi, là, j'ai eu des combats pendant, Paul, tu le sais, tout mon début de ministère. J'avais peur de prêcher, j'en tremblais. Je voulais mourir avant chaque prédication. La première fois que j'ai prêché, c'est sur Jean 15. J'avais probablement l'équivalent d'une série de messages, d'à peu près 5 messages cette journée-là. Je vous le dis. J'ai pris Jean 15, j'avais 8 pages de notes. Ah, j'exagère pas, là, c'est vrai. En 8 pages de notes, j'ai prêché à peu près 13 ou 14 minutes.
Et j'ai été tellement encouragé par ma femme. Et Mike, c'est la plate. Tu vas-tu toujours prêcher comme ça? Va le sorcier, là! J'avançais parce que dans ma personnalité, Dieu parlait à mon cœur et disait, Michel, je t'appelle à annoncer ma parole. J'avançais par la foi, mais j'avançais avec tellement de peur, tellement de crainte. Seigneur, OK, je vais lire le verset dans Jean 15. Et c'était terrible. La première fois qu'on m'a demandé de prêcher à l'Assemblée du Saint-Évangile, pas du tout ensuite. Paul a eu ses jumeaux. Non, pas ses jumeaux. C'est Nathaniel. Paul a eu Nathaniel le 26 décembre. Et Noël tombait le... Pas Noël, mais le dimanche tombait... OK, y a-t-il un autre prédicateur en place? On va régler ça vite. OK! Le dimanche tombait le dimanche. Le dimanche tombait, je pense, le 26 ou le 27. Ah non, ta femme a accouché le 26, c'était le 27 le dimanche. Et on m'avait avisé un mois et demi d'avance pour prêcher le 27. Gary était à Ottawa. Paul, on savait que sa femme était pour accoucher. Donc, on m'a demandé de faire la prédication. Et là, j'ai dit, all right, ça va être cool. Au début, quand elle me l'a demandé, Gary, j'ai dit, je ne suis pas sûr. Finalement, après ça, je dis, non, ça va être correct, ça va être correct. J'ai quand même un mois et demi pour me préparer, tu sais. Et un mois et demi, ça a commencé des nuits au complet sans dormir. Je n'exagère pas, là. Des nuits d'insomnie. Au point tel que je suis arrivé le vendredi avant le dimanche avec aucun message. Vendredi matin, à 6 heures le matin, j'ai commencé à lire ma Bible, le Nouveau Testament. Et samedi matin, j'avais lu tout le Nouveau Testament. J'exagère pas, là. J'exagère juste pas. Et j'étais tellement découragé. Là, j'ai appelé Paul le samedi soir, il était peut-être 10 heures. Et là, en panique, en crise de panique, je dis, Paul, écoute, j'ai lu tout le Nouveau Testament, il fait. Au bout de la ligne, quand même, tu vois. Ouais. Non, sérieux, man. J'ai lu tout, j'ai pas dormi. C'est comme, puis j'ai fait des études, puis j'ai essayé de préparer des choses, puis à la fin, j'ai rien. Fait que là, Paul, il me dit dans un élan d'encouragement. Il dit, écoute, Michel, t'as déjà prêché au collège biblique? J'ai dit, oui. Il dit, prends deux messages ensemble, puis fais-en un. Qu'est-ce que ça fait, deux messages, Pat? Ça fait-tu un bon message? Quand je regarde mes messages plats de 15 minutes au collège public, puis je me souviens de l'impact que ça a eu, surtout dans ma vie. Et là, je fais, non, je ne peux pas prêcher ça à l'église. Et je fais, je ne peux pas prêcher ça à l'église. Et Paul dit, travaille là-dessus, je te dis, prends un message, travaille là-dessus, puis en tout cas, si ça ne marche pas, rappelle-moi demain matin. Et là, je l'ai rappelé, il était 6h30 le matin. Pauvre Paul. Il devait dormir parce que là, sa femme venait d'accoucher. Puis toutes les... Tu sais, c'est dur quand ta femme accouche pour un homme. Alors, mais c'est, tu sais, pour un gars, c'est plus dur qu'une femme, c'est normal. Parce que nous autres, on porte le poids de la famille sur nos épaules. Là, je viens de me faire des ennemis. Et là, mon Paul, il me dit, OK, Michel, pas de problème. Je vais m'arranger, puis je vais prêcher le matin. Et là, j'ai senti le ciel s'ouvrir. Alléluia! Oh, là, le sentiment profond, c'était... Oh! J'ai pas dormi de la nuit, là. Presque deux nuits sans dormir. J'ai dormi à peine quelques heures la première nuit. Presque pas. Puis la deuxième nuit, sans dormir. Je suis brûlé. J'ai dormi 45 minutes et j'ai été pas écouter Paul. Puis
Hey, j'étais là sur le bout de mon banc avec mes notes, puis là, je prenais toutes les notes, puis je buvais ce qu'il prêchait. Puis je disais, hey, Mike, il est bon! Oh, Mike, c'est bon, c'est bon, c'est incroyable comment c'est bon! J'aimerais tellement ça un jour prêcher comme ça. Et là, il y a eu l'extase de dire, fou, je suis libéré. Puis là, il y a eu l'ennemi qui est venu accuser puis condamner. Tu penses que tu es appelé au ministère, toi? Pour qui tu te prends? Regarde ta vie. Regarde ce que tu as fait. Tu penses que tu vas enseigner la parole de Dieu à des gens? Tu n'es même pas capable de placer deux mots. Il n'y a rien que tu fais qui est bon. Puis là, j'ai commencé à croire en ça. Pourquoi? Parce que c'est facile. Je suis un perfectionniste dans le monde. OK? Dans le monde, je faisais plein de choses bonnes puis bien. Pourquoi? Parce que j'étais un maniaque, un perfectionniste. Là, j'arrive dans l'église. Dans l'église, j'ai jamais lu la Bible à part un petit peu de la lire avant de venir au Seigneur. Mais je veux dire, tu sais, j'ai pas la formation des gens avec qui je vais à l'école. Je suis arriéré totalement des choses de Dieu. Dieu m'appelle alors que je suis complètement arriéré. Et puis là, il dit, vas-y, avec la force que je te donne. Avec quoi? Avec quoi? Tout ce que j'ai, c'est de la faiblesse. Tout ce que... Je suis pas capable, Seigneur. J'y arriverai jamais, Seigneur. Et là, je vais voir le pasteur Gary quand il revient de ses vacances. Puis je dis, Gary, c'est ma dernière session de Timothée. Je retourne à faire ce que je faisais avant. Puis il me regarde, il dit, mais pourquoi tu retournes à faire ce que tu faisais avant? Je dis, Gary, je sais pas, je sais, je sens dans mon cœur que Dieu m'appelle à étudier et à me former. Mais honnêtement, Gary, c'est tellement pas en moi. Puis là, Gary commence à me raconter la première fois qu'il lui avait prêché. Puis que c'était pire que ma situation. Parce qu'il me dit, bien, la première fois que ça m'est arrivé, il dit, écoute, je vais te raconter mon témoignage. Il dit, moi, j'étais à Québec avec Alan Bowen, puis il dit, j'ai averti Alan 15 minutes avant la réunion. Puis il dit, j'ai dit à Alan, j'ai cherché, j'ai prié, j'ai fouillé, mais j'ai rien. Alan dit, pas de problème, Gary, je vais prêcher un matin. Puis il a prêché ce matin-là. Tu dis, wow! J'aimerais vous rappeler, frères et sœurs, que Michel n'est pas tout seul sur son île. Qu'on peut regarder, évidemment, dans votre cas, ça sera pour la prédication, mais on n'est pas tout seul sur notre île. Lorsque Dieu met quelque chose dans votre cœur, puis Dieu met des choses dans votre cœur, peu importe c'est quoi, ça peut être toutes sortes de projets, ça peut être toutes sortes de choses. Dieu met des choses dans votre cœur. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan sur votre vie. Et lorsque Dieu a un plan sur votre vie, laissez-moi vous dire qu'il y a des ennemis qui vont venir pour te dire à quel point tu ne peux pas accomplir ce plan-là. Ça a pris une délivrance littéralement en 1993, où tout à coup j'ai eu une expérience avec Dieu. Tout à coup, Dieu m'a montré, Michel, c'est pas devant les hommes que tu prêches, c'est premièrement devant moi. Puis là, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, devant toi, je peux prêcher comme je veux. Je peux avoir une pleine liberté parce que tu connais tout de moi, tu connais mon passé, mes péchés, mes manquements. Il n'y a rien que tu ne connais pas. Je peux être libre devant toi. Parce que tu connais tout en tout. Seigneur, wow! Et ce matin-là, j'ai expérimenté la délivrance que j'avais besoin. Garde ton cœur des faussetés que ton cœur tortueux te raconte. Garde ton cœur des détours qu'il te raconte. Puis je vais aller plus loin que ça. Quand tu commences à le faire pour toi, tu es capable de le faire pour les autres. Hein, des fois, on dit des Québécois, des Nouveaux-Brunswickois, quoi? Je vous ai magané là, hein? On dit, en tout cas, du monde du Québec et du Nouveau-Brunswick qu'on est né pour des petits pains. On dit qu'on n'est pas très bon pour reconnaître le talent, le succès dans la vie des autres. On dit même qu'on a tendance à toujours questionner les gens qui réussissent, que ce soit en affaires, que ce soit dans les arts, dans les chants, peu importe, on a toujours quelque chose à dire quand quelqu'un réussit. On est comme jaloux de la réussite des autres. On dit ça, les Québécois. Moi, j'aimerais dire que l'Église, personne ne va dire ça de l'Église. Que les chrétiens sont heureux quand un autre chrétien réussit. Que les chrétiens sont bénis puis encouragent les autres chrétiens à réussir, à grandir. À ne pas croire les détours, à ne pas croire les faussetés que l'ennemi déclare. À ne pas se joindre avec l'ennemi lorsque quelqu'un reçoit une parole de Dieu ou un plan de Dieu pour sa vie. À ne pas se joindre avec l'ennemi en disant, « Ouais, mais tu sais, tu réalises-tu? » Moi, je suis tellement content que Gary Connors à l'époque, puis Paul, puis Denis Gannin, puis tous les gens qui étaient là à l'époque, quand ils m'ont regardé, puis ils m'ont dit, hey, il est vraiment pas bon, lui. Non, mais il n'a pas l'affaire, ce gars-là. Non, mais Gary, je n'en reviens pas encore. C'est comment il a fait pour m'engager comme pasteur jeunesse?
Mais non, mais il était stupide! Mais non, mais les jeunes, ils s'endormaient pas, ils ronflaient pendant... Mais non, mais il était stupide! J'avais plein de bonnes choses, mais j'avais pas celle-là. Mais il a cru, pas juste dans les capacités qu'un homme a, mais il a vu quelque chose dans ma vie. Il a vu que Dieu avait placé un appel dans ma vie. Est-ce qu'on est capable de voir que Dieu place des appels dans la vie des gens autour de nous? Je ne parle pas du ministère, là. Peu importe l'appel que vous avez. Puis s'encourager les uns les autres dans l'appel que Dieu a placé sur nos vies, dans le plan qu'il a placé pour qu'il a placé sur votre vie. Bon, on est déjà fini. Les musiciens vont s'approcher. Les musiciens, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les musiciens. Comment pouvons-nous garder notre cœur? Vous êtes prêts? Parce que là, ça va aller vite, là. OK? Si vous prenez des notes, là, je vous le dis tout de suite, le traducteur à l'arrière. Excuse-moi, j'ai pas pensé à toi depuis les dernières 45 minutes, 50 minutes, une heure. Là, je pense à toi. Je t'aime beaucoup. T'es vraiment bon. Même si je sais pas ce que tu traduis. Une autre façon de garder notre cœur, c'est aussi de veiller à ce qu'on regarde. Puis qu'on regarde ce qui est édifiant. Qu'on regarde ce qui nous encourage. Des fois, on ne réalise pas. On se nourrit avec des choses qui nous détruisent. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Alors, souvent, le ministère des hommes, moi, j'ai fait des retraites des hommes. On utilise ce texte-là parce qu'on dit tout le temps les hommes regardent. Hey, les hommes, les femmes, attention de regarder les hommes. Moi, je vous dirais, attends une minute, là. Le verset est bien plus large que juste un verset pour les hommes ici, du problème que les hommes peuvent avoir au niveau de leurs yeux et des femmes en général. Hello? Moi, j'aimerais vous suggérer ici que ce verset-là est en train de dire que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi, c'est-à-dire de toutes les choses qui pourraient venir dans ta vie pour éloigner ton cœur de Dieu. Ça peut être les richesses. Ça peut être la popularité. Ça peut être la gloire. Ou tout à coup, tu commences à regarder à toi plus qu'à Dieu. Tu continues à regarder au bien matériel plus qu'à Dieu. Que tes yeux regardent en face. Que tes yeux regardent devant toi. Attention à tout ce qui pourrait te distraire de ce que Dieu a pour toi. Voilà, merci. Il y a quelqu'un qui m'a aidé, je pense. Une autre façon, versets 26 à 27, dit « Veillez à servir avec des bons motifs. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. » Peu importe où on sert, peu importe, parce que le Seigneur nous appelle tous à servir dans le corps de Christ, d'une façon ou d'une autre. Peu importe comment on va servir, la vraie question de nos cœurs, c'est pas de servir. La vraie question, c'est de servir de la bonne façon, avec la bonne attitude de cœur. Une des choses qu'on néglige dans le service, c'est l'humilité. C'est tellement important de découvrir ce que c'est que la réelle humilité. Pas un semblant d'humilité, mais la réelle humilité de cœur. Devant Dieu, puis devant les hommes. Et de servir avec les bons motifs. Je termine avec ça. Ce soir. Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Combien il y en a qui connaissent ce passage-là? Vous dites-tu quelque chose? Il y en a qui s'en vont voir dans leur Bible, vous êtes vite, hein? Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Quelque chose? Une parabole en passant. La parabole du fils. OK. On l'a eu. Super. Cette parabole-là est fantastique par rapport au cœur. Vous allez dire, mais Michel, elle ne parle pas du cœur, cette parabole-là. Oh oui, elle parle du cœur. Elle parle vraiment du cœur. Dans cette parabole-là, il y a trois hommes et il y a trois cœurs. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Un jour, un père est béni parce qu'il a trois fils. Trois fils. Il y a deux fils, excusez-moi. Un jour, un père est béni parce qu'il a deux fils. Mais un de ses fils, lui, commence à être lassé d'être avec son père. Son père a beaucoup de bien, mais... Ah, moi, je veux vivre la vie. Je veux voir autre chose. Puis il dit à son père, il dit, ben moi, là, je ne resterai pas avec toi, là, moi, je vais partir. Peux-tu me donner mon héritage, puis je vais flyer, go with the wind. Et le père dit, oui, pas de problème. Voici ta part, mon fils. Je suis sûr qu'avec tout l'amour dans son cœur, il aurait voulu le retenir.
tout son cœur de Amen, tout ce qu'il va vivre, tout ce qu'il va expérimenter. J'aimerais tellement le protéger de cela, mais je sais que même si je tente de le protéger, il va falloir qu'il passe par ce chemin-là. Ceux qui sont parents, vous savez de quoi ce père-là? Qu'est-ce qu'il vivait? Avec certains enfants, des fois. Et il part. La Bible nous dit qu'il part, puis il est sur le party, le gars. La vie est belle. Il dépense tout son argent. Puis après avoir dépensé tout son argent, il y a une famine dans la région où il est. Puis là, il est rendu à un point où il ne peut même plus avoir à manger. Il mange la nourriture des porcs, des cochons. Puis là, tout à coup, il rentre en lui-même, puis il dit, « Wow, chez mon père, même les serviteurs, » il ne parlait pas de lui comme fils, il dit, « Même les serviteurs sont bien mieux traités que moi je le suis maintenant. Je pourrais simplement retourner vers mon père et juste être un serviteur, parce que je suis plus digne d'être appelé son fils avec les décisions que j'ai prises, avec les choix que j'ai faits, avec l'argent que j'ai dilapidé, avec tout ce que j'ai fait. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est revenir comme un simple serviteur dans sa maison. Et déjà, ça serait beaucoup mieux que ce que je suis en train de vivre. » Alors, il décide de retourner vers son père. Alors qu'il retourne vers son père, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Alors qu'il retourne vers son père, il arrive vers son père. Et son père commence son père le voit de loin. Et il court après lui. Et tout à coup, il l'embrasse. Il change, il vêt à nouveau, il met un nouveau manteau. Il donne un anneau, il fait un festin, il tue le faux gras et le party pogné dans la place. Pourquoi? Parce que mon fils était perdu et maintenant j'ai retrouvé mon fils. Alléluia! Il n'a pas dit, c'est drôle parce qu'il aurait pu dire, « Hey, je te l'avais dit, hein? » Ouais. « Ah non, mais je te l'avais dit que, hein? » Ça pourrait être un temps difficile, hein? T'aurais dû m'écouter. Non, c'est comme son cœur d'une porte de joie, enfin, il revenait à la maison. Tout le monde dans la maison doit se réjouir. Pourquoi? Parce que le fils que j'ai perdu est retrouvé. Et tout à coup, il y a le fils qui, lui, est resté avec son père pendant toutes ces années-là, qui a été fidèle. Lui, tout à coup, il revient des champs, puis il entend le brouhaha, puis le party, puis la joie, puis la fête, les festivités. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de mon père? Un serviteur lui dit, « Eh, ben oui, mais tu n'as pas pris la nouvelle, mon somme. Ton frère qui était perdu, il est revenu. Et voilà pourquoi ton père fait un grand festin. » Wow! Lui, il arrive, puis il n'a pas l'attitude de voir le party, puis il n'a pas l'attitude de faire un festin. Il ne veut même pas aller voir le festin. Il ne rentre même pas voir le festin. Un serviteur va dire à son père, « Oui, mais ton gars, il dort. » « Dehors? Qu'est-ce qu'il fait là? » Ah, mais il ne veut pas rentrer dedans. Son père sort de la maison. Imaginez-vous, là, il sort de la maison pour aller voir le fils. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, il lui dit, moi, là, j'ai toujours été avec toi. Je t'ai toujours servi. Tu n'as jamais organisé un party pour moi. Tu n'as jamais rien fait pour moi. Le père lui dit, mais tu n'as pas compris. Tout ce que j'ai t'appartient. Tous mes biens t'appartiennent. Tout ce que je suis t'appartient. Tu as toujours joui de toutes ces choses-là. Mais ton père, ton frère qui était perdu, est maintenant retrouvé. Vous me suivez? Trois hommes, trois cœurs différents. Il y en a un qui a un cœur, qui avait un cœur pour essayer toutes sortes de choses, pour s'éloigner de son père, pour faire les choses à sa façon, à sa tête, à sa manière. Après les rudes échecs et les difficultés de la vie, il revient à son bon sens. Puis il veut juste être un serviteur dans la maison de son père. Son père, lui, l'accueille et dit, « Tu ne seras pas un serviteur dans ma maison. Tu vas être comme un fils pour moi parce que tu es encore mon fils que j'ai perdu et j'ai retrouvé. » Tu as le père, lui, qui accueille avec un amour inconditionnel tout ce qu'il rêvait, tout ce pourquoi il priait pendant le séjour où son fils s'était éloigné, c'était de le retrouver. Puis t'as un frère, lui, qui fait les choses fidèlement dans la maison. Puis quand il voit son frère, il est rempli de jalousie, d'amertume. Parce que dans le fond, il aurait peut-être voulu faire ce que son frère a fait. Je vais vous suggérer ce soir ceci. Si on ne veille pas sur notre cœur, écoutez-moi bien, comme croyant,
si on ne veille pas sur notre cœur, on peut devenir comme le fils aîné dans la maison de Dieu. Et je vous dis ça parce que je parle par expérience. J'étais pasteur à la salle pendant des années et la deuxième personne que j'ai engagée lorsque je suis arrivé à la salle, c'était un pasteur de jeunesse. Quand j'ai engagé ce gars-là, c'était un gars que je connaissais depuis ma conversion, c'était un ami proche. On faisait tout ensemble. On allait en Floride ensemble, on allait en vacances ensemble. On faisait tout ensemble. Le pasteur de jeunesse et le pasteur principal de l'église étaient connectés ensemble, on faisait tout ensemble. Je gardais son enfant. Il a même déménagé à côté de chez nous. On vivait vraiment proche l'un de l'autre. Et quand j'ai terminé la jeunesse, je me suis assis avec lui. Puis j'ai dit, mon frère, je veux que tu écoutes ce que j'ai à te dire. Si j'avais $1 million, ou même des millions de dollars, je pourrais te le donner, puis ça ne serait rien à mes yeux à comparer à la responsabilité d'être un leader sur des jeunes. Ça, pour moi, c'est bien plus précieux que tout l'argent du monde. Veille sur la jeunesse de l'Église. Veille sur la jeunesse. Puis là, il m'a dit, oui, Michel, si tu me connais, puis c'est sûr, je connais ton cœur, puis on va travailler ensemble, puis je vais veiller sur la jeunesse de l'Église. Les temps ont passé, tout à coup, lui qui était marié avec un enfant, il est tombé en amour avec une jeune fille de l'Église. Une jeune fille de la jeunesse. Lui avait 27 ans, elle avait 18 ans. Elle le voyait comme son héros. Et lui, il la voyait comme la « Wow! » La belle jeune fille qu'il aurait toujours rêvé avoir. Et tout à coup, un jour, il vient me voir et on était proches l'un de l'autre et on voyageait ensemble, soir et matin. Et on était dans l'auto ensemble. Et alors qu'on est ensemble dans l'auto, on parle tous les deux puis on est en train de planifier le prochain jeûne et prière qu'on va avoir. Là, je dis, écoute, on va aller là, puis on va avoir un bon temps ensemble. Tu te souviens la dernière fois qu'on y était? Oui, oui. Puis là, on parle pendant à peu près 40 minutes avant de s'en aller au bureau, au travail. Juste comme si stationne l'auto, il me dit, en passant, Michel, j'aimerais ça te rencontrer quelques instants ce matin parce que j'ai quelque chose à te partager. Ah, j'ai pas de problème. Je trouve ça un peu bizarre parce qu'on était 40 minutes dans l'auto, puis on a partagé des choses, puis là, il y a quelque chose à me dire en dehors de ça, je trouve. Tu sais, je suis comme, c'est qu'il me dit, tu sais. Il rentre à mon bureau et il me dit, écoute, juste te dire, ça va pas bien avec mon épouse et juste te laisser savoir que je pense de me divorcer. Quoi? Ah non, mais c'est parce que t'es mon ami, je suis ton ami, on passe ton fin de semaine ensemble, on passe nos vacances ensemble, je garde ton fils. Il y a quelque chose que j'ai pas vu venir, là. Puis là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Explique-moi. Ah, mais il dit, tu sais, finalement, ça ne marche pas entre moi et mon épouse. Ah, ça ne marche pas entre toi et ton épouse. C'est nouveau. Comment se fait que je ne suis pas au courant? Je pensais que j'étais ton ami. Comment se fait que je ne sais pas? Je pensais que j'étais ton chum. Pas juste ton pasteur, ton chum. Il dit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas entre toi. Au point tel qu'on va se divorcer parce que j'ai quelqu'un d'autre à cœur. Dieu m'a mis quelqu'un d'autre à cœur. Hey, dites pas ça, là! Ah! Hey, moi, je peux vous dire que des chrétiens, on devient très spirituel pour mettre le nom de Dieu pour faire nos affaires. Hello! C'est pas juste mon frère qui parle comme ça, là. Mon expérience de pasteur pendant des années, je l'ai entendu la phrase « Dieu m'a dit ». Hello! Si on est pour veiller sur notre cœur, frères et sœurs, puis on est pour faire attention à notre cœur, faisons surtout attention lorsqu'on dit « Dieu m'a dit » pour des choses qui ne sont pas de Dieu. Ouch! Michel, tu fais mal maintenant. Et mon ami, là, il me dit « Dieu m'a dit ». Là, en dedans de moi, l'ami prend le dessus sur le pasteur. Et des amis, vous savez que des fois, ça peut se comporter comme des amis, hein? Et là, je me lève debout, je dis « Lève-toi! » Il se lève, puis là, avec le même ton, « Lève-toi! » Il se lève. Et là, je m'approche de lui comme ça, puis il recule vers le mur. Puis là, j'ai dit « Tu vas m'arrêter ça tout de suite. » Là, j'ai le doigt, deux pouces de la face, puis j'ai le nez proche, puis tu vas m'arrêter ça tout de suite. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais là, tu es complètement séduit, mon chum. T'arrêtes ça.
Et là, j'ai passé proche de lever tellement que j'étais en colère et fâché. Non, non, mais je vous le dis, je peux le dire aujourd'hui parce que Dieu a fait des miracles. Là. Et puis là, il me dit, mais écoute, tu peux pas comprendre, toi, parce que t'aimes ta femme. Ah, OK. Oui, je sais, toi, t'aimes ta femme, tu l'aimes, ta femme, mais moi, je l'aime plus, ma femme. Tu peux pas comprendre ce que je vis. Moi, je vis quelque chose de complètement différent. Je suis en amour avec quelqu'un d'autre, puis c'est fini avec ma femme. Puis là, je lui dis, est-ce que ta femme est au courant? Il dit pas vraiment tout. Sa femme, c'est mon amie. Et là, j'ai la femme, tu es en train de me dire que tu me parles de quelque chose que ta femme n'est même pas au courant. J'ai dit, as-tu des soupçons? Pas en tout. Et là, je suis dans tous mes états. Je ne peux pas imaginer comment je suis dans mes états. J'étais à deux pouces de le frapper. J'exagère pas, là. J'étais à deux pouces de le... Je vais dire, je vais le frapper, il va se réveiller, tu sais. Mais non, mais... Oui, il va avoir un choc, puis ça va faire... Ouh! Oh, ah, finalement, t'as dit, merci, Michel, en passant, t'as fait du bien. Ouh! Ça m'a réveillé, tu sais. Et là, je passe toute la journée avec lui, le matin puis l'après-midi, pour essayer de raisonner ce gars-là. Là, j'ai dit, écoute bien, là, je vais aller chercher ton épouse à son travail. Puis tu vas rester dans le bureau ici, puis je m'en viens avec elle. J'appelle son épouse, puis je dis « Bonjour, ça va bien? » Elle me dit « Oui. » J'ai dit « Écoute, aujourd'hui, il va y avoir un changement à l'horaire, c'est moi qui vais aller te chercher. Ton mari ne peut pas aller te chercher. On va venir le rencontrer à l'église. » Là, tout à coup, ça panique. Là, je suis dans le char, puis je dis « Écoute, là, tu vas entendre des affaires qui vont te dépasser, qui vont te renverser, qui vont te bouleverser. Je veux juste te dire une chose. Dieu est encore Dieu. » Elle arrive dans le bureau, grosse mère, vient pour embrasser son mari, il ne l'embrasse pas. Je comprends pas. Puis là, il lui annonce, c'est fini entre moi et toi. Ça n'a jamais marché. Pour faire une histoire courte. Là, moi, j'ai dû discipliner mon frère sur le champ. Pas parce qu'il avait commis l'adultère avec la jeune fille. Bien que je lui ai dit, c'est pas vrai que tu as juste tenu les doigts de la jeune fille pendant que tu priais et que tu es tombé en amour avec. Tu es tombé en amour avec cette femme-là parce que tu as fait plus que juste tenir la main de cette femme-là. Parce que tu as fait plus que penser à cette femme-là. Parce que tu as eu une relation sexuelle avec cette femme-là. Puis elle me disait, gros comme le bras, tu es quelqu'un qui juge, tu connais rien, tatati, tatata, etc., etc. Pour faire une histoire très courte, j'ai quitté l'église. Et j'ai été pendant 3 mois à vivre comme pasteur le pire des cauchemars. Parce que toute la famille, ben, une partie de la famille de ce gars-là était dans l'église. La famille de sa femme était dans l'église. Et la famille de la jeune fille qui est en amour avec ce gars-là était dans l'église. Et puis là, tu as tous les parents des jeunes dans l'église qui disent, t'as pas vu ça de ton meilleur ami? Quel genre de pasteur es-tu? Pendant des semaines, je ne peux pas dormir, littéralement. Pendant des semaines de temps, je suis fatigué, je suis épuisé. La bonté de Dieu est incroyable, parce que dans toute cette saison-là, pas une seule personne de ces trois familles n'ont quitté l'Église. Là, je suis très sérieux, Paul était là, Paul n'était pas là à l'époque, mais pas une seule personne a quitté l'Église. Mais j'avais des rencontres jour, soir, à tous les soirs, tous les jours avec les gens. Et là, ma femme me dit, Michel, arrête. Parce que c'est toi qu'on va ramasser la petite cuillère. Tu ne peux pas faire le travail du Seigneur. Tu ne peux pas convaincre les gens. C'est le Seigneur qui doit faire son œuvre. Finalement, un mois et demi plus tard, c'est révélé qu'il y avait eu une aventure avec cette jeune fille-là, un mois et demi avant, parce qu'elle est tombée enceinte de cette aventure-là. Ils ont eu leur premier enfant. Il a quitté l'église, il était très amer, parce que c'était mon ami proche, il a commencé à dire toutes sortes d'affaires à mon sujet, des affaires qui étaient personnelles, des affaires que j'avais confiées à mon ami. Des combats que j'avais, des choses, puis il répondait à ça tout vent et tout. Et là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, plus jamais dans ma vie, écoute bien, Seigneur, plus jamais dans ma vie, je vais ouvrir ce cœur-là à quelqu'un d'autre. C'est le dernier, ça finit là, drette, net, frette, sec.
Jamais je vais me confier à quelqu'un d'autre. Jamais je vais partager mes luttes, mes combats, les défis que je vis à quelqu'un. Parce que lui, il a pris le clou, là, il a pris le champ. Puis là, il ramène des affaires à des gens. Puis là, moi, j'apprenais ça par l'autre bord. Ouais, mais tu sais, t'es pas assez un bon pasteur que ça, là. J'ai appris que... T'as appris quoi, toi? D'où ça vient, ces affaires-là? Et là, j'étais en colère et en colère. Vous pouvez comprendre le contexte, n'est-ce pas? Et ce soir-là, pas ce soir-là, mais à un moment donné, j'étais tellement fatigué avec tout ce qui arrivait, que j'ai juste été dans la présence de Dieu, puis j'ai prié Dieu, puis je vais toujours me souvenir, à l'Assemblée de l'Évangile, il y a des escaliers, j'étais sur le bord de l'escalier. Puis moi, je suis un gars, j'aime Jésus, mais je vous le dis, à part des premières semaines de ma conversion, où j'ai vu des phénomènes paranormaux, spirituels, je ne sais pas comment dire, des anges, des démons, j'ai vu ces entités-là de mes yeux, à part de ce moment-là, le reste de ma vie, c'était comme, au niveau manifestation spirituelle. Ce que je veux dire, tu sais qu'on voyait des choses, on voyait des gens délivrés, guéris, on voyait des affaires, mais moi, personnellement, je peux pas dire que je suis le gars qui a vu Jésus, qui a des visions. Tu sais ce que je veux dire? C'est plus... La seule fois que j'ai eu une vision dans ma vie, c'est dans cette situation-là. Je suis à genoux, en train de prier, puis je dis à Dieu, « Seigneur, je prie pour ce gars-là, si tu pourrais zapper. » Je suis très, très honnête maintenant. Seigneur, ce gars-là, il a tellement fait de mal au corps de Christ. Il a tellement fait de mal aux parents, aux ados, aux enfants. Son témoignage est tellement terrible. Si tu pourrais le zapper littéralement. Non, non, mais arrange. Seigneur, t'es Dieu, tu peux arranger quelque chose. Pour zip! T'as coup, il marche plus, il vit plus, il respire plus. C'est parce que on peut rire parce qu'on connaît, on vit pas la douleur ou la profondeur de la douleur. Et alors que je suis en train de parler comme ça à Dieu, Seigneur, je te prie, réveille-les, les appeler, tu sais, comme il faut. Ce que moi, j'ai pas pu faire, fais-le. Puis toutes mes prières à son égard, c'est rien de positif. C'est rien de. Vous savez ce que je veux dire? Et tout à coup, le Seigneur me ramène dans Luc chapitre 15. Il me dit, lis la parabole, Michel. Je commence à lire la parabole. Et alors que je lis la parabole, ça prend pas longtemps pour faire un dessin. Je broille, je pleure. Je ne suis plus capable de me retenir. Je verse des larmes et puis finis. Puis je pleure. Et tout à coup, encore jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce n'était pas une voix audible que j'ai entendue. J'ai entendu une voix qui m'a dit, « Michel, lequel des cœurs veux-tu? » Trois hommes, trois cœurs. Lequel des cœurs veux-tu? Et là, je me mets à pleurer. Je ne pleure pas pour lui. Je ne pleure pas pour ce qu'il a fait. Je pleure pour moi. Seigneur, tu sais quel cœur que j'ai. Seigneur, mon cœur, il est terrible. Puis là, je pleure, parce que, Seigneur, je sais quel cœur que j'ai. Puis je pleure, puis, Seigneur, je ne pourrai jamais avoir ce cœur-là. Seigneur, tu vois mon cœur. Puis je pleure sur l'état de mon cœur, parce que j'ai le cœur du frère aîné. Puis le Seigneur, il me rappelle, encore, je suis pas capable de dire, c'est pas dire. Puis il me dit, je t'ai pas dit lequel des cœurs as-tu? Il dit, je t'ai dit lequel des cœurs veux-tu? Et là, je pleure, je dis, Dieu, il y a un cœur dans ces trois cœurs-là que je veux, puis c'est le cœur du Père. C'est ce cœur-là que je veux. Mais c'est impossible pour moi. Et tout à coup, j'ai commencé à sentir la présence de Dieu qui a commencé à restaurer mon cœur. Allô? Et puis là, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai prié l'enfer sur ce gars-là. Je te demande pardon. Père, je te demande de te toucher, je te demande de te bénir. Je te demande de le visiter, je te demande de faire du bien. J'ai commencé à prier d'une façon différente. Et tout à coup,
J'ai vu une vision. Là, c'est, là, ça a l'air weird, mais c'est la réalité. Là. J'ai jamais vu une vision. Mais la vision que j'ai vue, c'était plus grand que ça. C'était comme un gros écran de cinéma. Je suis tout seul dans la salle, puis la vision apparaît. Puis ce que je vois, c'est je vois le gars qui vient à l'Assemblée supérieure évangélique, où j'étais pasteur. Il est à l'arrière de l'église. La vision, je vois exactement comment il est habillé, je vois les détails, je vois la nervosité, je vois le placeur qui est à côté de lui. Moi, il semble que je suis sur le stage, j'en avais en train de prêcher. Lui est dans la rangée. Et tout à coup, je ne sais pas, j'entends rien dans la vision, mais je vois quelqu'un l'appeler, puis c'est moi qui l'appelle. Et alors que je l'appelle pour venir à l'avant, au lieu de prendre la rangée du centre, là où il est, il fait complètement le tour de l'église. Puis il monte, puis là, je le vois prendre ma main dans sa main. Puis je l'invite sur le podium, sur le stage. Et quand ça arrive, le premier réflexe que j'ai dit, mais Dieu, comment je vais savoir qu'il s'est vraiment repenti? Le Seigneur met ceci dans mon cœur. C'est pas toi qui vas aller à lui, mais c'est lui qui va venir vers toi. À partir de ce moment-là, j'ai rencontré tous les leaders de l'Église, mon comité d'Église, tous les gens dans l'Église, puis j'ai dit aux gens dans l'Église, je ne veux plus entendre quoi que ce soit à propos de cet homme-là, à moins qu'il vous le dise à vous personnellement, parce qu'il y avait des rumeurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai dit, je veux préserver et garder ce que Dieu m'a donné. Vous êtes prêts? 2 ans et demi plus tard! C'est long, ça, 2 ans et demi plus tard, hein? 2 ans et demi plus tard, son ex-épouse m'appelle, puis elle me dit, « Écoute, Michel, ça va vraiment mal. Mon ex-mari, je pense qu'il va se suicider. » Je dis, « Ah oui, comment ça? » « Je sais pas, il y avait un langage bizarre, il a pris notre fils, il est parti avec, puis j'ai vraiment peur. La seule personne en qui j'ai confiance, Michel, c'est toi. Appelle-les, vas-y le voir. » Puis là, je dois lui dire à elle, « Je ne peux pas aller le voir. » Pas que je veux pas. Parce que s'il ne fait pas vers moi, je vais être le premier. Mais j'ai dit, voilà, je ne peux pas t'expliquer, c'est drôle, mais je ne peux pas t'expliquer. La seule fois que je peux te dire, est-ce que tu as. Je disais à son épouse, est-ce que tu as confiance en moi? Elle dit, oui, j'ai confiance en toi. J'ai dit, si tu as confiance en moi, je ne peux pas aller vers lui, mais lui doit venir vers moi. J'ai dit, regarde, on va prier ensemble. Elle dit, OK, je ne comprends pas, mais on prie ensemble. On a prié ensemble, il est revenu à 5 heures avec son fils. Et là, on m'a dit, il ne va vraiment pas. Elle dit, je pense qu'il va s'enlever la vie. Hello? Le mardi qui a suivi, il m'appelle. J'avais un rendez-vous à 10h, il m'appelle à 9h30. Il dit, écoute, j'ai un break de 10 à 11, est-ce que tu veux me voir? Est-ce que je pourrais te voir? J'ai dit, aucun problème. Où tu veux que je te vois? Ils disent, on va se rencontrer dans le centre d'achat. J'ai cancellé mon rendez-vous, ce que je fais rare, mais je me suis présenté dans ce centre d'achat-là. Il s'est présenté vers moi. J'ai vu un homme complètement terrassé, brisé par le péché, détruit, anéanti, suicidaire. Puis il m'a dit, je ne suis pas digne, je ne pourrais jamais te demander pardon, je t'ai fait souffrir comme... Je ne peux même pas imaginer tout ce que j'ai fait à ton égard, Michel. Tout ce que j'ai dit à propos de toi. Puis t'arrêtes, tu es juste dans le... correct de ne pas me pardonner, c'est vraiment mal tout ce que j'ai fait. Juste te dire que je ne suis plus capable, je suis rendu au bout. Je suis au bout, puis je ne sais pas ce que je vais faire à la prochaine étape, mais je veux te demander pardon. Il pleure dans un centre d'achat, il pleure comme un enfant. Tout le monde voit ça, c'est quand même. Il n'est pas gêné pour 500. Là, j'ai dit, tu sais quoi? Ça fait 2 ans et demi que tu es pardonné. Tu n'es pas pardonné parce que moi, j'ai la force de pardonner. Tu es pardonné parce que moi, j'avais un cœur tortueux. Tu es pardonné parce que moi, j'avais le cœur du fils aîné, puis Dieu m'a montré qu'il était pour te restaurer, puis Dieu m'a montré qu'il était pour te guérir, puis Dieu m'a montré qu'il était pour aller te chercher. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, tu rencontres le comité, tu rencontres les leaders de l'Église et tu viens à l'Assemblée du plein Évangile demander pardon. Il dit, je vais faire tout ce que tu veux que je fasse. Il a rencontré le comité d'Église, il a rencontré les leaders de l'Église et le matin qu'il est arrivé à l'Assemblée du plein Évangile, 2 ans et demi plus tard, la vision que j'avais vue 2 ans et demi auparavant, je prêchais sur Luc chapitre 15, verset 11, verset 32, ce matin-là. Alors que je suis en train de prêcher sur ce message-là, lui n'est pas arrivé avant la réunion, parce que ça aurait été un choc pour l'Église. Il est arrivé à la fin de la prédication. Et il s'est tenu à côté du placeur que j'avais vu. Il était exactement habillé de la même façon. Il était nerveux.
Et puis là, je prêchais, puis je me sentais toute mal. J'avais les jambes molles, comme vous ne pouvez pas imaginer. C'est comme je réalisais que la vision que Dieu m'avait donnée 2 ans et demi avant, je la vivais, et j'avais peine à faire le ministère. Puis je savais ce qui s'en venait. Là, j'ai dit, puis je prêchais, puis je savais qu'il ne prendrait pas l'allée du milieu. Puis comme de fait, je l'invite, je dis, viens avant, il y a quelqu'un qui a quelque chose à nous dire ce matin. Puis au lieu de prendre l'allée du milieu, il a fait tout le tour de l'église. Puis il est venu sur le côté, puis il est rentré. Puis là, j'ai vu ma main donner sa main. Puis je l'ai accueilli, puis il a demandé pardon à l'église. La raison pourquoi je vous raconte cette histoire-là ce soir, c'est qu'il m'a donné la permission de raconter cette histoire-là. Mais la raison pourquoi je vous raconte cette histoire-là ce soir, c'est pas pour vous dire, ah, c'est écœurant tout ce que quelqu'un peut faire lorsqu'il suit son cœur tortueux. La raison pourquoi je vous raconte cette histoire-là ce soir, c'est pour vous dire à quel point il était facile pour moi de pécher alors que quelqu'un d'autre avait péché. Est-ce que vous me suivez? Le péché a un pouvoir incroyable. Quand quelqu'un d'autre pêche à ton égard, t'es susceptible à pécher à son égard. Hello? Aïe aïe, ça fait mal. Puis il y a peut-être des situations dans vos vies où vous êtes en train de pécher à l'égard de certaines personnes qui vous ont blessé. Non, non, mais on va parler des vraies affaires du cœur ce soir. Là. On n'est pas pour parler du cœur sans dresser les vraies affaires. Moi, là, ça a été ma délivrance, ce moment-là. Cet instant-là dans ma vie, ça a été vraiment le point marquant dans le ministère auquel Dieu m'a appelé. Encore une fois, Dieu me montrait, Michel, sans moi, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas accomplir le ministère par tes propres forces. Et encore aujourd'hui, je peux juste dire, Seigneur, je n'étais pas capable de pardonner une situation comme celle-là. J'avais trop souffert, j'avais trop travaillé, je m'étais trop investi. Mais toi, Seigneur, tu as été capable de restaurer mon cœur pour que je sois capable d'accueillir celui qui avait péché, mais en même temps, d'accueillir la guérison dans mon propre cœur. Est-ce que vous me suivez ce soir? Il y a des leaders qui sont ici, il y a des pasteurs qui sont ici. Il y a des gens qui vous ont amèrement blessé. Il y a des femmes de pasteurs qui sont ici. Il y a des femmes de leaders qui sont ici. Il y a des gens qui vous ont amèrement blessé. Vous savez quoi? Lorsque quelqu'un nous blesse amèrement, on devient vulnérable à pécher d'une autre manière à l'égard de ces gens-là. Ça, c'est ce que j'ai appris de la part de Dieu. Puis l'autre chose que j'ai appris de la part de Dieu, c'est qu'il y a seulement lui à qui je peux aller pour qu'il restaure à nouveau mon cœur, pour qu'il guérisse à nouveau mon cœur, puis qu'il me donne le privilège de voir sa puissance en action et des miracles se produire. Aujourd'hui, le gars dont je vous parle, c'est encore mon ami. On mange régulièrement ensemble. C'est différent parce que son ex-femme, c'est mon ami encore. Mais lui qui est marié avec l'autre femme, c'est mon ami là maintenant. Et je vois Dieu faire un œuvre dans leur vie. Et ça n'a pas été facile. Et voulez-vous le clou de l'histoire? Ah non, ça c'est trop pas, on ne devrait pas lui dire, ça ne sont pas prêts à ça. Non. Tu m'en donnes, hein? Non? Tu penses? Ah non, ça c'est... Pastorellement parlant, c'est pas correct. Non, non. Non, je peux pas vous dire ça. On va commencer maintenant. Non, non. Lorsqu'il a demandé pardon à l'Église, il a été pendant 1 an dans une autre Église. Pendant 1 an, j'ai préparé l'Église à dire, le frère qui a demandé pardon fait partie de la famille de Dieu. S'il fait partie de la famille de Dieu, pourquoi ne peut-il pas faire partie de l'Église? Les gens qui avaient été le moins blessés dans la situation sont devenus extrêmement amers. Et son ex-épouse a demandé à ce qu'il vienne à l'église. Parce que son fils, qui était dans le milieu, c'était trop déchirant de voyager dans les deux églises. Donc, on a décidé qu'il vienne à l'église. Vous voulez une histoire compliquée, là? Vous voulez une histoire vraiment compliquée, là? Ça l'était vraiment compliqué, là. Et là, je me suis assis avec le gars, l'ex-épouse, le mari, la femme, etc. Puis à la fin, tout le monde disait, la meilleure chose pour notre garçon, c'est ça. OK, si c'est la meilleure chose pour votre garçon, moi, je vais travailler avec vous pour vous voir ça dans l'église. Encore une fois, ça a pris 1 an avec l'église qu'il soit capable de vivre cette situation-là. Vous savez quoi? L'église a accepté cette situation-là. Quand j'ai parti, il est parti. Pourquoi? Parce qu'il dit, puis c'est lui, il est venu voir, il dit, Michel, je ne peux plus rester sous le ministère de quelqu'un d'autre. Parce que le lien dans toute l'histoire, c'était toi.
à cause de tout ce que tu avais vécu. Mais travailler avec un nouveau pasteur, ça serait de lui faire subir une situation qui serait trop lourde pour lui. Il entendrait des choses à gauche et à droite, ça serait trop difficile. J'ai choisi maintenant de changer d'église. Alors ce soir, est-ce qu'on est prêt d'adresser les vraies affaires du cœur? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce que tu es capable d'identifier dans ta vie quelque chose, quelqu'un, une situation qui t'a vraiment blessé, brisé? Puis sans trop le réaliser, la personne t'a fait du mal, mais sans trop le réaliser, tu es en train d'avoir le cœur du frère aîné. Sans trop le réaliser, tu as même la misère de prier pour cette personne-là. Puis quand je parle de prier, tu ne pries pas pour cette personne-là parce que tu ne voudrais pas que Dieu lui fasse du bien. Je ne voudrais pas que le Seigneur la guérisse ou que le Seigneur la restaure ou que le Seigneur fasse un miracle avec lui parce qu'il t'en a fait ou t'en a fait baver. Ce soir, moi, j'aimerais dire, est-ce qu'on veut vivre les miracles de Dieu? Est-ce qu'on veut vivre la puissance de Dieu? Notre monde est malade. Puis il y a des chrétiens qui, après avoir connu Christ, ses valeurs, mais retournent dans leur vieux sillon tortueux. Hello? C'est triste, c'est archi-triste! Hey, j'étais pasteur de l'église et parce qu'un autre a péché, je m'en allais dans un sillon tortueux moi-même. Les dimanches matin, j'étais le gars avec le sou de la cravate qui prêchait, par exemple. Et moi, je l'avais l'affaire, puis lui, il n'avait pas l'affaire. Et c'est mon cœur qui était atteint. Vous me suivez? Alors, c'est quelqu'un qui vous a vraiment blessé ce soir. C'est quelqu'un qui fait un impact et vous sentez que votre cœur a besoin d'être touché, d'être guéri, d'être restauré. Pourquoi pas venir à Jésus maintenant? Pourquoi pas venir au Seigneur maintenant? Alors, je vais demander de vous approcher. Et alors que vous approchez, on va chanter. Je vais laisser l'équipe de louange. Je viens de réaliser que je vous ai laissé là pendant à peu près 3h15. Ça, on dit, pas de problème, pasteur. Pas de problème, pasteur. On t'aime, pasteur. I love you also, man. Amen. Seigneur, on veut un temps de restauration, un temps de guérison, un temps où tu touches nos cœurs. Même si la douleur est profonde, même si la souffrance est lourde. Seigneur, ce soir, on veut s'approcher de toi. On veut s'approcher de toi, puis on ne veut pas quitter ce lieu. Tant aussi longtemps que tu ne nous donneras pas ce qu'on va avoir besoin de recevoir. Dans mon cas, ça a été une révélation. Dans un autre cas, ça sera autre chose. Peut-être que ça va être une parole prophétique, une parole de connaissance ce soir que quelqu'un va avoir besoin. Peut-être que ça va être une guérison de l'âme ou du cœur, Seigneur, mais on veut être à tes pieds maintenant. Alors, approchez-vous à l'avant ceux qui avaient besoin de prière ce soir. Venons ensemble pour juste répandre nos cœurs devant lui et dire, Dieu, sonde mon cœur! Sonde mon cœur et regarde s'il y a des dimensions où je suis dans une voie où mon cœur s'en va vers quelque chose de tortueux. Seigneur, ramène mon cœur sur la voie droite. Ramène mon cœur sur la voie droite. En le nom de Jésus, Père, je prie.